fonctionne. Normalement, ça fonctionne. Je me suis installé autrement, là. J'espère que ça va aller. Là, tout fonctionne. Les conneries, ça fonctionne, là. Le PMU, il y a quoi aujourd'hui? C'est quoi les courses de PMU aujourd'hui? On est le 25 mai. 25 mai, il y a Strasbourg, Chartres. Strasbourg, Chartres. La Croisée-la-Roche, Straubing, Chartres, La Teste, Avenches, Happy Valley et Rome. Ça finit tard ce soir. Les courses qui payent le mieux, hein, c'est vers la Réunion 4. Hein. C'est pas pour le vendredi, parce que le vendredi, la Réunion 4, elle est un peu plus tôt. Mais le reste de la semaine, la Réunion 4, elle se passe vers 16h, 17h. C'est les meilleurs... Les meilleures prises à faire, hein, c'est sur la Réunion 4, vers la Réunion 4, vers 16h, 17h, 16h30, 17h. Et jusqu'à quoi? Jusqu'à la tombée de la nuit, quoi. Il y a des bons lots à prendre. C'est les meilleurs lots à prendre, c'est là. Les journées, les R2, R3 en début de journée, c'est rarement payant. Il faut vraiment aligner un trio ou un multi pour payer quelque chose. Réunion 4, c'est un peu plus payant pour les couplets gagnants, les trucs comme ça. La semaine, le vendredi, c'est autre chose. Vendredi, la Réunion 4, elle commence plus tôt. La Réunion 1, elle est le soir. C'est un peu la bousculade, le vendredi. Les bons lots à prendre, c'est vers cette période-là, le 25 mai, hein, vers le 25 du mois. Hein. C'est les bons lots à prendre, mais personne n'a de l'argent. Ceux qui ont de l'argent n'ont pas besoin de parier, là, c'est pas la peine. 11h35, bon, il y a 9 partants. 11h50, il y a 11 partants. À Straubing, Chartres, Straubing, on est le 25. C'était quoi le rythme du jour hier? Le rythme de la journée hier, c'était quoi? On avait beaucoup de quoi? On avait beaucoup de 10-5-2, 10-5-2. 10, 5, 6, 4. Est-ce qu'on va compter, pour faire nos calculs, est-ce qu'on va compter comme toujours avec 3, 4, 5 ou avec 10, 11, 12 ou alors avec le 6, 9? Est-ce que c'est une journée à recevoir les simples placés, voire gagnants entre les cotes entre 10 et 20 euros, 10 et 19 euros? Est-ce que c'est une journée à accueillir les gagnants entre... Ou alors c'est une journée à accueillir les favoris. Là, tu vois, tu as plusieurs rythmes pour la journée possible. Donc tu laisses passer quelques courses et puis tu vas voir un petit peu le rythme du jour. Le 9, 6, 9 et 6, hein, sont vraiment les simples placés, simples gagnants quelquefois. C'est toujours ceux qui payent le mieux. Le 9 et le 6, simples placés, c'est toujours ceux qui payent le mieux. Le 9 et le 6. En gagnant, bah, je te raconte pas, ils sont pas mal non plus. 9 et 6 en simple gagnant, simple placé, sont toujours les... Ça donne toujours de bons rapports, mais bon, faut bien regarder la lignée du cheval, quel est le cheval, quel est l'entourage, tout ça, s'il y a une possibilité d'avoir quelque chose. Bah, joue placé déjà, joue simple placé, c'est déjà pas mal. Regarde hier, déjà 6 et 9, ils sont venus pas mal de fois dans les 3, hein, en simple placé. Hein. Ils sont venus dans les arrivées placées. Hein. 6 et 9 encore hier. Hein. Il y a quelques courses, ils font moins, mais d'autres courses, ils font. Bon, il y a toujours mes combinaisons en haut des pages. Hein. En haut des pages, tu vas avoir en haut de mes pages Facebook. Tu as 4 combinaisons possibles. Je vais te donner une variante d'une autre combinaison. Attends, il faut que je retrouve pour me brancher. Sur Facebook. J'ai des problèmes pour me brancher sur Facebook en ce moment, c'est un peu chiant. Je sais où je vais me brancher avec quoi là. Il n'y a pas Windows ou je sais pas quoi là. C'est où ça Windows hein?
je vais me pencher avec Opéra. Normalement, je suis branché avec Opéra. Ah non, même pas. Bon. Comment je fais là? J'ai envie de me brancher sur Facebook. Tu vois, c'est un peu le bordel à chaque fois. C'est chiant. Il n'y a pas Windows ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle là? C'est bizarre ça. Je le vois pas. Ah, il est là. Edge. C'est Edge. Normalement, sur Edge, je peux me brancher. Vaut mieux prendre une application comme Edge ou comme Opera pour aller sur Facebook. Ça te met une sécurité quand même. Quand tu prends une application, c'est une application de Microsoft. Les applications de Microsoft, ça va te fournir une sécurité quand même si tu veux te brancher sur Facebook, YouTube, les trucs comme ça, TikTok. Ça te ramène une sécurité quand même. Si tu as un problème. Et puis demande-moi le mot de passe à chaque fois. Quelquefois, tu es toujours emmerdé. Il y a des périodes où on te demande toujours le mot de passe. C'est très très chiant. Edge, il y a Edge, Google. Pas obligé de configurer le remplissage automatique de Samsung, les trucs comme ça, c'est vraiment bien aussi. Est-ce que je vais pouvoir me brancher sur Facebook ce matin pour vous donner mes combinaisons, les gars? Non, ça veut pas. Des fois, tu n'arrives pas à te brancher, puis tu vas dans les notifications, tu cliques sur l'application, par exemple Facebook, et puis tu vas l'avoir. Bon, j'y arrive pas. Normalement, mes combinaisons, c'est 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, non, 7, 8, 9, 3, je crois. 7, 8, 9, 3. Il y a la première combinaison, 7, 8, 9, 3, à jouer en quelquefois couplet gagnant. Couplet placé, c'est une assurance qui est mieux quand même. Il y a 7, 8, 9, 3 en couplet placé, couplet gagnant, voire 2 sur 4. Quelquefois, ça rentre en trio aussi. La deuxième combinaison, c'est A6, 2, 4. Pareil, peut-être en trio, c'est possible. A6, 2, 4. Il y a, sinon, tu joues en 2 sur 4. Sinon, pour les A6, 2, 4, en 2 sur 4, ça rentre quelquefois avec des grands nombres de partants. 7, 8, 9, 3, c'est plus sur les courses à... Bon, c'est plus, hein. Je dis pas c'est obligatoire, mais c'est plus sur les courses à 13, 12 partants peut-être. Après, tu as une spécificité, tu as une épreuve plus particulière à accueillir ces formules qu'une autre. La troisième combinaison, c'est 10, 5, 13, 15. Alors là, j'ai une variante, j'ai 10, 5, 13, 2. 10, 5, 15, 2. C'est possible aussi. Quand tu n'as que 14 partants, tu ne mets pas le 15, tu mets 10, 5, 13, 2. Voire 2 sur 4, couplet passé, c'est pareil. Via une assurance, tu joues 4 chevaux en couplet passé, c'est déjà bien. Essaye d'enlever peut-être dans ma formule. Je sais qu'elles arrivent tout le temps, mes formules, les gars. Regardez hier, avant-hier, vous voyez, mes formules arrivent. La quatrième formule, c'est 3, 4, 5, 3, 4, 5 As. Tu as la première combinaison. À jouer en couplet placé, couplet gagnant. Quelquefois, ça rentre en trio aussi. Hein. Il y a A6, 2, 4, il y a 10, 5, 13, 15. L'autre combinaison, il y a la première combinaison A6, 2, 4, la deuxième combinaison 10, 5, 13, 15, la troisième combinaison 3, 4, 5, As, et la quatrième combinaison 7, 8, 9, 3. Les combinaisons arrivent souvent couplet placé. Tu prends des gains, essaye d'enlever un numéro, peut-être tu auras plus de gains si tu joues 4 numéros en couplet placé. Et si tu joues 3 numéros, tu n'auras pas les mêmes gains, tu vois ce que je veux dire? Plus tu vas payer ton ticket cher avec 4 numéros, tu vas te payer ton ticket plus cher qu'avec 3 numéros. Donc les gains, à la fin, ils seront les mêmes, mais tu auras payé moins cher ton ticket. Donc ça te rapportera du PNF en plus. Tu n'auras pas la valeur du quatrième numéro. À essayer de combler. Si tu joues 3 numéros, si tu joues 4 numéros, il faut combler la valeur des 4 numéros. Si tu joues 3 numéros, il faut combler la valeur des 3 numéros. Et voilà, les formules, je te dis, ça rentre en trio. Des fois, quelquefois, ça fait des bons trios. Ou sinon, amuse-toi à regarder les cotes
les cotes comment entre 10 et 19 pour un train. Souvent là aussi, tu vois le quintet hier, ça compose de trois notes entre 10 et 19 contre 1. C'est intéressant ces notes-là, 10 et 19 contre 1. Vraiment intéressant. Il y a des jours préférables plus que d'autres pour accueillir. Mes formules, elles accueillent toute l'année, depuis quelque temps déjà. Ça fait plusieurs années que je vois mes formules arriver. Plusieurs années. J'ai quatre formules là, vraiment du béton. Il y a peut-être 10, 10, 5, 13, 15, 10, 5, 13, 2. Peut-être faudrait que je rajoute 10, 5, 13, 2 dans mes combinaisons. Je ne veux pas en rajouter 50 non plus. Je sais que 10, 13, 15, 5, ça arrive aussi. Ça fait souvent des bons lots. C'est pareil, il y a 18 partants, des fois, il est préférable de jouer, c'est un peu passé, 17 ou 16. En fait, tu joues suivant le nombre de partants, ou alors suivant la valeur des cotations, ou alors tu joues suivant l'heure de départ. Tu peux jouer, ouais, c'est pas des conneries, hein. Tu peux jouer sinon suivant à obtenir 2 fois 13, pour que tu obtiennes 2 fois 13 dans tes résultats. Tu peux jouer suivant ça. Tu peux jouer suivant le fait d'obtenir 3 fois le nombre de partants de ta course que tu veux jouer. Bah, tu as plusieurs choix pour partir dans tes calculs. Ou sinon, prends-en plusieurs, fais tes recherches, prends une ardoise comme ça avec des feutres là, fais ta recherche, et tu vas tomber sur des combinaisons. Un truc qui va te marquer. Tu dis, ah ouais, là, tu vas prendre de l'assurance. Quand tu fais tes recherches, tu prends de l'assurance. Quand tu vas piocher des points noirs à droite, à gauche, tu prends aucune assurance et puis tu es perdu, tu te sens perdu, c'est pas bien. Je préfère faire mes recherches moi-même, ça demande un peu de temps, mais au moins tu as une assurance. Quand tu sais que tu tombes sur le bon prono, tu es bien content, parce que tu dis oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est pas comme si tu joues avec un pronostiqueur, tu vas jouer, tu vas miser, tu perds ou tu gagnes. Mais vraiment, quand tu es vraiment au bout, tu as développé ton truc et tout, ton calcul et tout, et que tu te sens bien, c'est là en plus que tu peux miser. Tu peux miser un truc bien pour avoir un bon lot. Tu bêtement les pronostiqueurs, c'est bien, mais il faut te former. Là, j'essaie de vous former sur les pages, les gars. C'est pas des conneries, hein, j'essaie de vous former. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire avant, en plus là. Pour les quintés, c'est toujours des arrivées. Pour moi, les quintés en France, là, R1, C1, R1, C3, R1, C4, R1, C2, c'est souvent, même quelquefois R1, C7, c'est souvent des trucs. Ça sort des calculs normaux. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de me repérer sur l'arrivée qui vient de se faire, l'arrivée de la course d'avant. J'ai envie de me repérer sinon sur le quintet de la veille. Bah, tu vois, As-6-2-4, hein, mes combinaisons, hier, ça rentre en trio. Tu as vu la valeur du trio? Ça a tenté aussi si tu as une pièce, si un billet de côté. Mais bon, à tenter, moi, j'aime pas à tenter comme ça. Je préfère être assuré. Je préfère être assuré de mes recherches, de tout ça. J'aime pas les à tenter. J'aime pas ça. Bon, normalement, je suis en live aujourd'hui. Et puis, voilà. J'essaie de tout régler, là, le son et tout, là. C'est un peu chiant, mais bon, on va y arriver. Je devais aller à la salle de sport ce matin. Ben, je me suis couché trop tard. J'ai installé mon PC, là, sur un bout de truc. Là, ça met l'écran un peu en hauteur. J'ai changé la caméra de place, là. On voit un autre fond derrière. Et puis voilà, hein, et ça fait du boulot. Et puis là, ça fait 1 heure que je suis en train de régler le son. Le son que propose le PC pour faire les streams ressortir sur le truc, c'est beaucoup trop fort. À chaque fois, il y a des problèmes pour tout remettre tranquille. C'est chiant. Bon, l'équipe, bah, je vous dis à tout à l'heure. Normalement, je suis tout à l'heure en live. Je reste 2 heures, hein, je reste pas longtemps. Je suis même plus sur Messenger, tout ça. Je suis même plus. J'ai décroché un petit peu des courses, mais tu vois, il faut que je revienne. Ça me plaît trop, il faut que je revienne quand même. Mais faites attention à votre fric, les gars. Faites attention au fric. Hein. C'est évident que le fric, il y en a besoin déjà pour manger.
éviter de faire des conneries. Moi, j'étais en addiction, je suis bien content d'avoir décroché de l'addiction. Je suis bien content. J'ai un traitement, ouais, un traitement de méthadone, j'ai un traitement. Mais je me pique plus, je m'injecte plus depuis bien des années. Et puis, je fais plus non plus de fumette, hein, tout ça. Je fume plus une cigarette, ni plus rien. Je suis bien content. Ça, c'est un plus. Et je me droguais et tout, hein, à la seringue et tout. Hein. Truc de fou. Hein. Et je prends du recul et je me dis, bah, tu vois, quand tu prends du recul, les coups que tu as pris dans la gueule pendant quelques années, quand tu prends du recul, que tu arrêtes tout, bah, c'est là que tu en profites des coups dans la gueule que tu as pris. C'est là que tu arrives à en profiter un peu. Et j'espère, je souhaite le bonheur à tout le monde, c'est de pouvoir en profiter un instant au moins avant de mourir. C'est pour ça que c'est important de décrocher. De faire du mal comme ça, bah, ça te plaît parce que tu vois des copains, t'es dans une ambiance. Bah, tu vois, moi je vois plus d'amis ni rien du tout. Hein. Je vais à la salle de sport maintenant. Je vois plus d'amis ni rien du tout. Hein. Il n'y a plus personne. Hein. Bah, c'est une autre vie. Hein. Mais je me suis fait tellement mal avec les seringues et tout. Tu sais, j'ai l'impression des fois, les gens me prennent pour un extraterrestre ou j'en sais rien, parce que j'étais vraiment très bas. Très bas, hein, j'étais très bas, les gars. J'ai fait de la psychiatrie et tout, j'étais très bas. Bah, de la psychiatrie, c'est pas la mort. Hein. Tu vois, une psychiatrie, ça peut t'aider. Hein. Ça va t'aider à décrocher. Hein. Les gens, c'est des spécialistes là-bas, ils savent ce qu'ils font. Hein. Bon, tu tombes avec des fous, mais. Quand tu arrêtes, justement, ça t'aide d'aller en psychiatrie, et une fois que tu as arrêté, ça va t'aider. Parce que tu vas te dire, bah ouais, ça va te servir un peu de support pour trouver des réponses de ce qui t'est arrivé, tout ça. Parce que quand tu es dans une addiction, puis après que tu arrêtes, tu te dis, bah merde, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah justement, quand tu fais des passages en psychiatrie, déjà, il y a du monde, des professionnels, ils vont dire, bah ouais, c'est peut-être ça, tout ça. Et il est marqué un nom hein, sur ton addiction, généralement, schizophrénie, un truc comme ça. Hein. Il est marqué un nom. Donc voilà, maintenant j'ai arrêté, j'ai été opéré du cœur, tout ça, j'ai arrêté. Opéré du cœur, j'ai failli laisser ma peau, les gars. J'avais maigri de 30 kilos en 2-3 mois. Je tenais plus de peau, puis opéré du cœur, allez hop. J'ai failli laisser ma peau. Et maintenant, je suis dans les courses et puis moi, je vous raconte un peu ma vie, là. Maintenant, je suis dans les courses et puis moi, j'ai toujours bien aimé les calculs, hein, les mathématiques, hein, depuis tout petit. Hein. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et j'aime bien... Au départ, j'ai fait une analyse sur 15 ans, hein, sur les courses PMU. Hein. Au départ, je traînais sur quoi? Je traînais sur à jouer les simples placés. Après, j'ai regardé les noms des écuries, tout ça. Les noms des entraîneurs, j'ai un petit peu analysé ça. J'ai mis des notes un peu partout sur mes groupes, mes pages. J'ai mis un peu des notes. Il y a le groupe que j'ai donné à cheval sur les pronos. Il y a un petit peu des notes, hein, tout ça sur Libre Radio, Libre Pronos, là, sur le groupe aussi. Il y a des notes aussi sur les. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a des notes hein, sur les combinaisons. Et puis après, j'ai réduit le nombre de combinaisons possibles. Là, je suis à 4 combinaisons possibles. Les 4 rentrent, hein, les amis, ils rentrent très souvent. Les journées, on les voit plein de fois. Hein. Et j'aimerais bien trouver une astuce pour choisir la bonne combinaison pour la bonne course, mais sans trop faire de recherche. Tu vois, par exemple, avec l'heure ou un truc comme ça, je vois 11h35, je me dis, bon, ben... C'est quoi, c'est 5-3-4 as à jouer? Ou alors avec le 11-3-5, on peut faire quoi? 5 et 3, 8, alors ça fait quoi? Ça fait 8-7, c'est quoi 8-7-9? C'est quoi? C'est 8-7-9-3 ou c'est quoi? Ou 3-4-5 as? Voilà, j'aimerais bien essayer de trouver, voir ça. 9 partants ou peut-être 9 partants, je sais pas. Avec la valeur des cotes, soit avec l'heure, soit avec la valeur des cotes, soit avec l'âge des chevaux, la distance, je sais pas, ou la date, hein, je sais pas, c'est possible. Hein. C'est un petit peu bête de dire ça, mais moi j'ai plein d'astuces originales hein, pour trouver. Au départ, je te dis, jouer avec les entraîneurs, j'ai étudié les entraîneurs, j'ai étudié les jockeys. J'ai étudié avec l'heure, j'ai étudié avec
le nombre de partants avec la valeur des cotes. J'ai étudié tout ça, les courses. Hein. J'étais pas à shooter, hein. C'était après l'opération du cœur. Hein. J'avais trouvé ça comme réconfort. J'avais un peu plus d'argent pour moi, comme je m'achetais plus de drogue. Et puis, j'ai acheté du matériel pour du PC, tout ça, un PC pour faire mes recherches. Bon, le PC, j'avais un bon PC, mais il est tombé en panne. Là. Putain, fait chier. Là, je tombe avec un vieux PC que j'avais avant. Bon, il est pas mal, mais... Sinon, j'ai le PC à distance, Shadow. J'aime bien le PC à distance, Shadow. Bon, bref, je raconte un peu ma vie, là. Mais au moins, vous savez qui je suis. Mais ce que je veux dire... Ouais, pour les courses, hein, faut faire attention entre les cotes à 10 et 19 euros. 19 contre 1, entre 19 et 10 et 19 contre 1. Faut faire attention à ces cotes-là. Généralement, t'en as 3-4 dans la... oui... Attends, il me vient aussi un truc là. T'en as 3-4 dans la course généralement. Ou sinon, t'as des journées, tu prends les favoris. Hein, puis tu rajoutes. Peut-être que tu prends les favoris. Tu vas noter les favoris sur un papier. Tu vas regarder par rapport aux combinaisons que j'ai déjà formulées. Et tu regardes s'il n'y a pas une cote intéressante à 10, entre 10 et 19 euros à jouer. Peut-être. T'as des journées, t'as les favoris. T'as des journées, t'as les cotes vers 10 euros. Tu as les journées, tu as le programme de PMU qui marche, les pronostics de PMU, que je te disais là en haut, la barre en haut, les deux barres en haut à gauche sur l'application PMU, tu as une barre en haut à gauche. Tu as les pronostics du jour. C'est pas les pronostics que tu as sur les courses. Quand tu appuies sur les courses, tu vas avoir un pronostic. Mais les deux barres en haut à gauche de l'application PMU, t'as la communauté PMU sur PC. Sinon, sur portable, t'as les pronostics du jour. C'est très bon à prendre aussi. Hein. Généralement, les pronostics du jour, c'est à prendre entre l'hiver et à l'arrivée de l'hiver, 2 mois avant l'arrivée de l'hiver, et 2 mois avant l'arrivée de l'été, et 2 mois après l'arrivée d'hiver. Et 2 mois après l'arrivée d'été, la saison d'été, la saison d'hiver. Pendant 2 mois, les formules, la deux barres à gauche en haut, l'application PMU. C'est bon à prendre, les pronostics. Bon, tu as peut-être le 15 qui fait 5 moins 1, 4. À la place du 15, tu vas te retrouver avec 4. Ou avec le 6, le 15, ça fait 5 et 1, 6. Donc là, tu as 6. Alors, comment tu fais le 15? Si tu as 5 déjà, tu peux, en pronostic aussi, dans le pronostic, tu peux faire avec l'as. Si l'as n'est pas donné, c'est intéressant. Ben voilà, tu vois, il y a plein de combinaisons, plein de trucs, tout ça. Que ça fait 15 ans que je recherche. Ben, je trouve que je suis pas mal. Hein. Mais bon. Sinon, je suis aussi sur YouTube. Je suis sur YouTube, la chaîne Libre Radio Turf. Je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, tout ça, sur Facebook et TikTok. TikTok, c'est quoi? Et si vous voulez venir sur Messenger, hein, je préfère Messenger, moi, pour partager sur Facebook. Mon Messenger, c'est Turf Eric. Turf Eric. Et sur TikTok, c'est ProNoTurfiste30. Moi, je pense pas que ça soit ça sur TikTok. Non, c'est plutôt Eric Gaulier Passo sur TikTok. Là, sur mon PC, j'ai un autre TikTok, mais... Enfin, je sais pas c'est lequel. J'en ai deux, j'ai plusieurs TikTok, plusieurs Instagram, tout ça. Forcément, comme tout le monde. Comme tout le monde. Bon, voilà. Ah, sur PC, j'arrive pas à retrouver les pronostics du jour. Hein. Je sais plus où ils ont mis ça sur PC, là, sur l'application. Vie de la communauté, salon privé, hippique, je ne sais pas où c'est. C'est plus facile de trouver sur le téléphone portable, les smartphones, les pronostics du jour. Gagner des free bets tous les jours avec la ligue hippique. Est-ce qu'il faut parier de l'argent pour faire un pari en gardant? Ah non, tu peux faire un pari en commentaire, c'est tout, sur l'application. Ça te fait gagner des free bets. C'est marrant, ça. 2 sur 4, les coupés, ça paye. Ça serait marrant, ça. Attends, il n'y a pas une règle, là?
Donnez-nous vos 5 favoris en répondant au sujet. Mon prono. À la fin des courses, des points sont calculés de la façon suivante. Chaque cheval placé 2 points, chaque cheval classé 1 point, auquel nous ajoutons les bonus dans les cas suivants. Le quintet dans l'or, le quartet, tout ça, ça vaut des points. Ouais, c'est curieux, ne sont pas inscrits. Ouais, pour t'inscrire à la communauté PMU sur. C'est marrant. Les gains, l'autre, il a gagné 26 264 420 euros. La vache. Rien qu'avec les pronostics sur PMU. Mais je vais faire ça, moi. J'ai pas d'argent, je vais parier sur la communauté PMU. Ils offrent des free bets. C'est marrant. T'as une heure précise pour faire ton PMU, ton quintet. C'est marrant, ça. Je vais faire ça. J'ai pas d'argent pour parier. Je vais essayer de gagner des paris comme je sais pas quoi là, des free bets là. Bon. Ben voilà, je voulais vous raconter quoi aussi, je sais pas. Pas grand chose. Faites attention à vous. Avec la légalisation du cannabis, là, ça part un petit peu en couille partout aussi. Ben, t'imagines les dealers, ils font beaucoup de fric. Hein. Et bon, c'est le bordel. À chaque légalisation du cannabis, c'est le bordel. C'est limite pour avoir une guerre et tout. Là, je te dis, c'est chaud. Hein. J'ai jamais. Ah putain, il y a le TikTok là. Merde, il y avait le TikTok. Bon. Bref. Ouais, c'est presque une guerre et tout, là, en ce moment. Ah, puis il y a YouTube aussi, mais putain. Non, c'est pas grave. Bon, allez, j'arrête. À tout à l'heure, les amis. Je vais être en live, hein, tout à l'heure. À tout à l'heure.